Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de sa joie et sur terre.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Au nom de notre famille paroissiale et de sa diaspora, je vous souhaite la bienvenue. Ndalio Fadjam. Dalen Akjam, ici à Joal Fadjout, terre de culture, de civilisation, terre d'accueil et d'hospitalité. Joal, je me rappelle, les voix païennes rythmant le tantum ergo et les processions et les palmes et les arcs de triomphe, comme le chantait si bien le président poète, père de la nation sénégalaise, Feu Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal de 1960 à 1981, baptisé ici, dans cette église paroissiale, le 25 décembre 1906, par le père Jean-Marie Jouan, prêtre spiritain. Excellence, je vous souhaite la bienvenue chez vous. La communauté, la famille paroissiale, Notre-Dame de la Purification, est honorée par votre présence paternelle en ce jour solennel d'action de grâce et de clôture du jubilé des 175 ans de la paroisse de Joal. Que par la prière de celle que Jésus-Christ nous a donnée comme mère et que nous honorons aujourd'hui, le Seigneur continue de vous manifester son amour et sa paix. 1849-2024. Voilà 175 ans que Joal est paroisse. Avec la maîtrise, je nous invite à reprendre le refrain. Jubilate Deo. Que Marie Notre-Dame de la Purification, qui nous est donnée comme mère, marche avec nous et nous entraîne vers son divin Fils. Que cette célébration eucharistique jubilaire, en cette année de grâce 2024, ravive notre foi et nourrit notre espérance en Jésus-Christ, notre frère et notre Seigneur. Bonne et sanctifiante célébration à tous. Nous prenons ensemble la prière jubilaire à Notre-Dame de la Purification. Sainte Mère de notre Rédempteur, tabernacle vivant de notre Christ fait homme pour le salut de l'humanité, la lumière resplendit en toi, tu fus destiné à porter le salut que le Père a préparé à la face des peuples. Fais rayonner ta grâce, Vierge Mère, sur tes enfants que nous sommes. Intercède pour ta Sainte Église, ici à Joal, dont tu es la patronne, qui célèbre son jubilé de 175 ans. Mère du divin amour, puisque ton Fils, revêtu notre chair, fut présenté dans le temple au Père, fais que nous puissions, nous aussi, nous présenter un jour devant le Père, avec une âme purifiée. Mère très pure, purifie nos cœurs, notre désir de suivre le Christ, accompagne-nous dans nos projets de vie, assiste-nous dans le courage de nos mains, pour bâtir une Église qui plaise au Seigneur, sainte, belle, une et édifiante, à la face des peuples. Prie pour nous, afin que rayonne dans nos vies. La paix, la lumière, la pureté, l'amour véritable du Père éternel, Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Amen. Prions le Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés, ainsi que cette église rénovée.
Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu accomplis les merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé l'eau, ta créature, à devenir en signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait vivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude libérée de l'esclavage préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive l'Esprit Saint, reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toute souillure de sa condition humaine et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Esprit, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint descende sur cette eau qui remplit ses calebasses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et comme Seigneur, tu as envoyé autrefois le prophète Élisée assainir les eaux de Jéricho en y jetant du sel, fais que partout où nous allons asperger cette eau mêlée de sel, ta puissance éloigne l'adversaire et nous garde en ta bénédiction. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Omnibus.
Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière. Puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La parole de Dieu est la lampe de nos pas et la lumière qui éclaire notre route. Comme symbole de cette parole de Dieu, verbe de vie, nous avons la lumière, le lectionnaire, la lance et les lecteurs. La lumière signifie que la parole soleil étincelant vient à notre rencontre pour nous faire sortir de l'obscurité du péché. Cette parole, c'est le Christ, vrai Dieu et vrai homme, lumière des nations qui éclaire nos cœurs pour nous unir au Dieu Père avec la force de l'Esprit Saint. Le lectionnaire, c'est le livre qui recueille par écrit cette parole pour qu'elle soit lue, annoncée et transmise à tout homme. La lance signifie que cette parole de Dieu est pénétrante et transperce les cœurs pour leur donner vie et montrer la voie de la conversion et le chemin de la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Enfin, les lecteurs, ainsi que le prêtre, porteur de ces symboles, sont ceux qui proclament et annoncent la parole de Dieu durant la liturgie eucharistique pour la transmettre à l'Assemblée sainte qui est appelée à son tour à aller la proclamer à toutes les nations pour faire des disciples. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Il nous garde au fil des jours. Alléluia. Écoutons et recevons. Alléluia. L'Évangile selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus
pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ainsi parle le Seigneur. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Cher paroissien de Joël, heureux et saint jubilé à vous tous. Que Notre-Dame de la Purification, relevé des douleurs de l'enfantement, vous inonde par son Fils Jésus-Christ des bienfaits de sa maternité divine. Le Verbe qui s'est fait chair en elle a établi sa demeure parmi nous. Il a annoncé l'Évangile avec des disciples qu'il avait choisis. Après sa mort et sa résurrection pour notre salut, il a envoyé ses disciples en leur disant « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à garder tous mes commandements, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Voici donc que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Comme un feu qui se répand, l'Évangile est arrivé jusqu'à Joël. Nous fêtons les 175 ans d'érection de cette paroisse qui a été atteinte par le feu de l'Évangile.
mais le curé nous l'a rappelé, les premiers contacts avec l'Évangile sont plus anciens. Parfois dans des contextes qui ne visaient pas directement l'évangélisation. Toujours est-il que, quelles que soient les modalités, la parole de Dieu s'est fait en chemin à travers les aventures humaines pour arriver jusqu'ici. Et nous sommes les heureux héritiers de l'évangile de Dieu en marche avec Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Un jubilé ouvre toujours à la mission, au renouvellement. Que des missionnaires, spiritains pour la plupart, mais d'autres aussi, ont contribué par leur dévouement et leur zèle missionnaire à faire naître des communautés chrétiennes chez nous. C'était des Européens, mais aussi des hommes et des femmes du terroir, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, membres d'associations chrétiennes, enseignants. C'est une armée d'évangélisateurs qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Alors pour cela, nous devons rendre grâce à Dieu pour toute cette saga missionnaire. Ces hommes, ces femmes qui sont partis de chez eux, animés par le feu de l'Évangile qu'ils ne pouvaient pas garder pour eux, qu'ils devaient partager aux autres. Alors Seigneur, béni sois-tu pour tous ces missionnaires. Chers amis, un jubilé, c'est une fête de la moisson. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits de l'Évangile. L'Évangile qui libère de la peur. L'Évangile qui libère de l'obscurantisme, des manipulations et du règne de Satan. Souvenez-vous de ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie. Il leur disait, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Alors ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Donc prenons au sérieux notre vie chrétienne. Soyons proches de Dieu. Laissons-nous alimenter par sa parole. Écoutons cette parole, elle est capable de nous convertir. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, l'Évangile est une force pour celui qui croit. Alors laissons l'Évangile entrer en nous pour une véritable conversion. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire. 175 ans de marche à la suite du Christ dans cette vénérable paroisse de Joal. Ces temps de compagnonnage dans l'enseignement et l'accueil de la parole de Dieu, dans la célébration des sacrements pour la sanctification du peuple chrétien. Aussi dans le service du prochain, à travers la promotion humaine, l'éducation, la santé. Cette œuvre d'évangélisation, j'en suis persuadé, a produit des saints. Nous avons des saints au ciel. Même s'ils ne figurent pas dans le calendrier, ils sont là-bas, près de Dieu, à cause de ce qu'ils ont vécu ici. À commencer par les missionnaires qui se sont dépensés nuit et jour, à travers aussi les chrétiens, les catéchistes. Savez-vous que de Joal est venu un catéchiste qui s'appelait Djamé, avec le père Léopold Diouf. C'est lui qui a évangélisé Fadjout. Je suis persuadé que jamais au ciel et qu'il se réjouit avec nous aujourd'hui comme plein de missionnaires qui ont œuvré ici. Chers fidèles du Christ, célébrez en jubilé
c'est aussi accueillir l'actualité de l'appel à la sainteté. Alors, montrez la qualité de votre vie chrétienne à vous, chrétiens de Joal, qui avez 175 ans d'âge de paroisse. Mais ne jouez pas les seigneurs, hein. Allah traite à multidine chrétienne. Dambadje rek mo am. Entraînez-vous donc les uns les autres et montrez la joie d'être chrétien et de célébrer votre identité devant tous les hommes. Vous savez, ce pays a besoin de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Alors, tout le monde a droit à l'évangile. Annonçons l'évangile par la parole et par les actes. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans croire en lui? Comment croire en lui sans l'avoir entendu? Comment l'entendre si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? C'est pourquoi il est dit, ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Chers amis, je ne voudrais pas allonger l'homélie, mais je voudrais, en terminant, puisque votre paroisse est une paroisse mariale, et que Notre-Dame de la Purification vous accompagne depuis 175 ans, et qu'à la demande des fidèles chrétiens et des pasteurs, nous avons prolongé l'année mariale. Je voudrais nous inviter tous à présenter avec beaucoup de conviction et de confiance notre pays à l'intercession de la Vierge Marie. Nous traversons des moments difficiles. Si nous ne nous allions pas à Dieu, nous pouvons connaître des moments encore plus difficiles. Or, Marie nous donne un signal fantastique depuis plus d'un an. Je suis persuadé que si nous nous associons pour prier la Vierge Marie, nous confier à sa prière et lui confier notre pays, elle nous obtiendra les grâces dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour la vérité dans l'amour, pour l'amour dans la vérité. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi. Femme d'espérance, mère du bel amour, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. À toi Marie, à toi Marie, oh oui, à toi, maman. Et regarde, regarde tes enfants et soutiens-les. Nous allons tous lever les mains en signe d'abandon envers la Vierge Marie. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, c'est moi. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Ô Marie, un jour je voudrais me reposer à l'ombre de la croix de ton fils Jésus, mon roi. Au soir de ma vie, car Dieu l'a voulu ainsi, car Dieu l'a voulu ainsi. À toi Marie, à toi Marie, ce chant, à toi maman, ces voix. Regarde tes enfants, soutiens. On applaudit tous. À toi, Marie, ce chant. À toi, maman, ces voix. Regarde tes enfants. Soutiens-les dans.
Ave Maria, gracia a plena. Encore, encore, encore. Ave Maria, gracia a plena. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour de fête, nous avançons tout joyeux vers l'autel du Seigneur à travers ses enfants, ses jeunes et ses adultes pour faire monter notre action de grâce. Nous lui présentons ainsi le labeur de nos mains, nos richesses, nos pauvretés ainsi que ce que nous sommes. Les calebasses que nous apporterons contiennent des produits de notre travail, tels que le mil, le niébé, les poissons, les fruits de mer, des matériels sanitaires, les légumes, des céréales, de la viande, de mouton, de porc, de poulet, des condiments, des produits pour le petit déjeuner, etc. Alors, ces calebasses sont portés par des membres de nos différentes CEB de la paroisse. Les représentants des paroisses du Doyenné de Ngazobile, les représentants des communautés étrangères et les travailleurs de notre terre, tels les pêcheurs, le personnel médical, les enseignants, les commerçants, etc. Nous les présentons au Seigneur en action de grâce pour tous ses bienfaits. Il symbolise pour nous le fruit du don de Dieu et de sa bienveillance. Toute cette foule qui s'avancera vers l'autel est signe de l'unité, de la paix et de l'amour fraternel que notre paroisse a vécu durant ses 175 ans de témoignage et veut continuer à vivre pour davantage marcher résolument à la suite du Christ, lumière du monde. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur Benjamin Yaye, nous vous remercions pour cette belle célébration. Oui, l'Esprit Saint en vous nous a parlé. Que les enseignements que vous avez prodigués pénètrent au fond de nos cœurs et y produisent des fruits qui nous grandissent dans notre foi et notre vie, à l'instar de la graine de moutarde de l'Évangile. Monseigneur, nous vous réitérons nos remerciements pour la belle équipe pastorale que vous avez bien voulu nous commettre afin d'administrer la paroisse de Joal. Nous savons que vous avez un regard paternel sur notre communauté et vous voulez son développement
spirituel, épanoui dans la foi au Père, Fils et Esprit. Joal a bien compris votre vision pour le développement de l'ensemble de l'archidiocèse de Dakar. Au vu de toutes les réformes initiées et entreprises, elle s'approprie votre vision et s'inscrit dans ce sillage avec les moyens dont elle dispose. Nous demandons à Notre-Dame de la Purification de prier pour nous afin que nous soyons dociles à l'esprit et tenions l'enfant Jésus dans nos mains comme le vieillard Siméon. C'est avec une joie intense, empreinte d'émotion, que je prends la parole devant vous en tant que première femme mère de la commune de Joal Fadiout. Fille de ce terroir et paroissienne parmi vous, à l'occasion du jubilé des 175 ans de cette église Notre-Dame de la Purification de Joal, je suis d'autant plus émue que notre commune abrite l'une des plus ancienne église du Sénégal, fondée en 1849. Comment ne pas mentionner ces centaines de prêtres, religieuses et religieuses, issus de ce terroir et qui font la fierté de l'église du Sénégal? Combien de prêtres ou de jeunes catholiques, devenus de hauts responsables dans ce pays, ont fait leurs humanités dans ce petit séminaire de Ngazobile qui dépend de cette commune, avant de continuer leur route? Le plus illustre d'entre eux était le président poète, feu président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Vous l'avez rappelé, cher curé, baptisé ici, dans cette église. Et je pense que vous avez entendu ce que le ministre de la Culture vous avait dit ce jour, parce que ça devrait faire partie, quand même, de ce tourisme religieux qui doit se mettre en place dans notre pays. Donc cette église de Joal Fadiout a sa place doublement. Le fait d'être parmi les églises les plus anciennes, mais surtout également que notre premier président ait été baptisé dans cette église. À coup sûr, notre Seigneur, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, a purifié cette terre et continuera de la purifier. Nous avons donc un lourd héritage qu'il nous faut perpétuer généreusement et avec abnégation. C'est à nous, génération actuelle, de continuer à porter haut le flambeau de notre foi pour laisser aux générations futures un héritage de Magnificat, comme nos ancêtres dans la foi d'ici et d'ailleurs, qui nous ont légué cette lumière pour que nous puissions célébrer aujourd'hui ces 175 ans d'action de grâce et de présence missionnaire vivifiante à Joal. Excellence, nous comptons sur vos prières, mais nous comptons également sur vos actions, vous l'avez dit tout à l'heure, pour engager des élections paisibles comme le Sénégal l'a toujours connu, libres, inclusives et de préférence à date. Je suis là pour vous présenter et donner la parole à un des témoins de ce que nous avons célébré, le Père Zachary Guirane John. Il n'est pas très connu parce qu'il n'était pas là. C'est le supérieur provincial des Spiritains. Alors, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est 175 ans d'érection paroissiale. C'était les prêtres missionnaires du Saint-Esprit, les Spiritains qui étaient là. Donc, érection en paroisse, ça a commencé avec eux. Alors, il est providentiel qu'ils soient présents. Et je le remercie d'avoir accepté de venir concélébrer. Il est accompagné d'un autre prêtre, le Père Michel, qui a été ici tout jeune. Je lui laisse la parole, parce que c'est l'histoire qui est là. Au nom de la Congrégation du Saint-Esprit, de nous avoir invités pour ce jubilé. Vraiment, nous sommes touchés. Nous sommes donc arrivés fils de Liberman en 1849 et nous avons quitté en 1870. Alors, il y a une toute petite erreur sur la liste, ce n'est pas le père Lebert qui a terminé, c'est le père Troidec qui était, lui, avant aumônier à Rufus chez les frères de Saint-Joseph. Il a fait juste une année. Et après le père Troidec, nous avons passé la main au clergé diocésain et c'est l'abbé Pascal Sambou qui est devenu curé. Alors, la première impression que j'ai eue en arrivant à Joal, c'est la messe le matin. C'était déjà l'église, la même configuration, hein, vous ne l'avez pas agrandie, il y a eu des modifications beaucoup, mais c'est la même
Je vais vous dire, vous le savez aussi, qu'en 68, le frère Paulin est venu ici refaire la charpente, c'est du frère Paulin, je reconnais très bien. Madame le maire a donné des nouvelles lampadaires, mais les lampadaires qui pendent là, ils sont éteints, mais c'est les nôtres, c'est le père le maire qui a passé ces lampadaires. Oui. Alors, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'il y a un de nos confrères prêtres, mais bien placé dans la hiérarchie, qui m'a dit que j'étais une relique. Bon, alors je suis une relique, je suis le dernier, oui. Non, je peux vous dire, je suis le dernier spiritain vivant de ceux qui sont venus travailler. Tous les autres sont morts, tous. Donc, la relique est encore là. Alors, le matin à la messe, il y avait 40 ou 50 personnes dans cette église, mais c'était surtout des hommes. C'est ça qui m'a frappé. On arrive de France où c'est les femmes qui sont pratiquantes. Maintenant, j'arrive aux frères, les frères Sacré-Cœur. Donc, je suis arrivé en même temps que le nouveau directeur. Donc, c'était les frères canadiens. Maintenant, je pense que tous les frères canadiens, je crois qu'il en reste qu'un à Dakar, mais les autres ont disparu. Ils sont d'ailleurs morts, ceux-là, celui dont je vais parler maintenant. On arrive, le frère nous salue tous, les professeurs et les élèves. Ah, voilà, je voulais dire quand même qu'il y en a peut-être qui me connaissent parmi vous, parce que j'ai peut-être enseigné à certains, puisque j'ai enseigné 2 ans, jusqu'en 69. Il y a encore des gens qui sont vivants, de 69, je suppose. Alors, le frère se présente comme ça. Je m'appelle Bouffard. Bouffard, B-O-U-F-F-A-R-D, Bouffard, voilà. Mais à côté du frère Bouffard, vous vous rappelez de Bouffard, à côté du frère Bouffard, il y avait le frère Laurent Delisle. Alors dans la collaboration, on a parlé de la collaboration, le frère Laurent, c'est lui qui animait la chorale ici. Donc les frères du Sacré-Cœur, les pères spiritains, les sœurs franciscaines à ce moment-là, les sœurs n'étaient plus là, les filles de Saint-Cœur de Marie, ni les sœurs de Saint-Thomas. Il y avait une grande collaboration. Donc, là, au collège, nous avions notre place, et le collège avait sa place dans la paroisse. Donc, le frère Laurent est un des plus grands, très dynamique, a animé cette chorale ici, le démarrage, c'était formidable. Alors, c'était le temps où les sœurs franciscaines n'avaient pas encore changé, si vous vous souvenez, elles n'avaient pas encore changé leur habit. Elles avaient un voile. De toutes les sœurs que je connais, celle qui avait le voile le plus long. Et sœur, très très long, non, vraiment très long. Et la sœur Alain était toujours à bicyclette. C'était la directrice de Saint-Thomas. Elle est toujours à bicyclette pour aller au Fignot. Toujours. Moi, je dis un jour, cette sœur va se prendre son voile dans les rayons ou dans la chaîne. C'était... Alors, comme je la taquinais, elle me taquinait aussi, elle m'arrachait au collège pour qu'on fasse la GEC. Voilà. Pourquoi j'ai sœur Alain dans ma tête? C'était une sœur apostolique incroyable, cette sœur-là. On ne pouvait jamais être reposé. Ma sœur, je suis fatigué. On n'est jamais fatigué quand on est missionnaire. Comme l'évêque l'a dit, célébrer un jubilé, c'est comme sorte d'entrer dans un dynamisme, voilà, pour aller de l'avant. Donc que les grâces de ce jubilé rayonnent dans Joal et ses environs. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie la grâce, moi, spiritain, que je demande que Dieu fasse à la fin de ce jubilé qu'il y ait des vocations religieuses à la vie spiritaine. Voilà. Il est temps qu'il y ait des spiritains venant de Joal, de Fadjout et des environs. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. C'est le jour de sa joie et sur terre.